Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de l'Image. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière ligne droite de 2024, dernier mois de l'année. Merci pour votre soutien, pour vos abonnements et votre confiance. Nous allons aller voir ensemble comment vous terminez cette année. Bien sûr, vous avez déjà sur ma chaîne YouTube la vidéo à trois choix que je vous ai faite afin de voir ce qui se transforme en vous et autour de vous. Je suis ravie de vous faire ces vidéos pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous désirez une lecture personnelle. Il vous suffit de m'envoyer un mail. Prenez cette lecture comme une aide, un GPS, voilà, suivez votre boussole intérieure. Parce que c'est une lecture générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et bien sûr, c'est OK, hein, tout le monde ne reçoit pas le même message. Alors, soyez dans la bienveillance et ayez un bon discernement lors de ces vidéos qui sont faites avec le cœur et toujours avec plaisir. On va commencer, mes amis. Pensez à vous abonner et à activer la cloche afin de recevoir les autres vidéos. Et je vous souhaite un très, très bon visionnage. Bonjour mes amis Sagittaire. Allez, on y va pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on va prendre la thématique du mois. Voilà. Le jugement. Mes amis Sagittaire, il y a une renaissance, quoi. Vous allez, voilà, le jugement, c'est les morts qui renaissent, qui sortent de leur tombe, hein. Donc, il va y avoir une renaissance, hein. Vous allez renaître à une situation, bien sûr, favorable pour vous. Ok, on va aller voir la carte énergie. Quelle énergie vous accompagne pour ce mois de décembre? Alors, je vais prendre celle qui est retournée. Écoutez, hein, ça va avec le jugement, puisqu'on a la clé de la destinée. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, soyez conscient de ce que vous êtes et de ce que vous avez, d'accord, dans vos mains. Et le jugement vous apportera le reste. Nous allons aller voir avec le Béline. Allez, pour mes amis Sagittaire. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, décembre 2024. Bah oui, soyez, voilà. Vous avez l'intelligence, vous avez la connaissance, hein. Donc, vous savez où vous allez, ami Sagittaire, hein. Ouais. Ouh là 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 là. Waouh. Qu'est-ce que je vous disais? Je pense que après une période de destruction. Hein, parce que là, c'est avec la tour, on détruit, on rase tout. Hein. Peut-être après une période d'enfermement, ben, vous obtenez la réussite quand même. Donc, vous avez la connaissance, et oui, vous avez la renommée aussi. Hein. Donc, pour moi, c'est clair, hein, c'est que vous allez vous reprendre en main. Il va y avoir quelque chose, un renouveau, d'accord? Nous allons aller voir avec l'oracle G pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, qu'avons-nous pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre? Oui, c'est ça, vous êtes enfermés, vous êtes isolés. Ouais. Ouais, vous allez reprendre votre sérénité. Vous reprenez votre sérénité, vous repartez sur un nouveau cycle, hein, voilà, un nouveau cycle abondant. Peut-être, mais aussi peut-être que vous allez montrer de quoi vous êtes capable, d'accord? Mais on a la réussite, on a l'abondance. Pour moi, c'est vous réussissez ce que vous mettez en place, quoi. Ouais, il y a de la concrétisation, voyez-vous? Donc, après une période d'instabilité, ouais, vous reprenez votre indépendance. Vous êtes le félin qui reprend son indépendance, hein. Même si pour vous, cette situation
n'est pas encore aboutie, d'accord? Même si cette situation est jeune, vous êtes protégé. Il y a une nouvelle harmonie. Il y a une nouvelle harmonie, tout s'éclaire, tout se met en place et ça va être très, très rapide. D'accord? C'est vraiment entre les deux lunes, là, au mois de décembre. Hein. OK? Vous allez savoir relativiser. Peut-être parce que vous allez avoir l'aide de quelqu'un, une personne d'un certain âge, peut-être, mais ça, cette personne, ça va être vraiment un cadeau divin. Hein. Ouais. Donc, voyez comment que ça vous parle. Mais cette personne, voilà, c'est une providence pour vous. Hein. C'est vraiment, c'est l'univers vous l'envoie. Vraiment pour vous aider, pour vous reconstruire. Hein. OK, ami Sagittaire? Allez, nous allons aller avec l'oracle miroir. Allez, qu'avons-nous pour les Sagittaires? De toute manière, c'est la clé de votre destinée. Hein. J'allais vous dire, vous étiez peut-être stoppé parce qu'on a quand même le chiffre 12. Hein, 12, c'est quand même le pendu dans le tarot. Donc, peut-être que vous étiez bloqué quelque part. Sur une situation, sur un voilà. Mais l'univers avec le jugement vous permet de regarder la situation autrement, d'accord? Évidemment, là, quand je vous dis on a été bloqué, oui, on a essayé de vous planter un couteau dans le dos, voilà. On a essayé de vous court-circuiter. Je pense que la tour, la tour et l'isolement à côté, enfin le cloître à côté, c'est pas anodin. Pour moi, c'est voilà, vous vous êtes senti effondré, effondré par une situation, d'accord? Ouais. Mais vous prenez la parole sur des, vous prenez la parole sur des accusations qu'on vous fait, ok? On vous plante un coup de voilà. On vous trahit, on vous plante un couteau dans le dos, mais en plus, on vous accuse. Donc, vous allez savoir vous défendre, hein, d'accord? Et le verdict, il va être pour vous. Le verdict va être pour vous. Ouais. On me dit bien que la situation s'arrange en votre faveur, d'accord? Il y a un changement positif qui s'opère là cet hiver. OK? Il y a une nouvelle naissance, hein, c'est ça, c'est le jugement, et vous avez il y a une nouvelle naissance. Mais ça fait, c'est raccord avec le Béline, quoi. D'accord? Ouais, vous allez mettre de la distance. Vous allez mettre de la distance avec certaines personnes. Voilà. Peut-être vous allez y mettre aussi la loi, hein, pour clarifier les choses et que tout s'harmonise avec vous. D'accord? Mais moi, je pense aussi surtout que c'est que vous allez reprendre votre équilibre. Voilà, vous allez vous rééquilibrer votre vie, d'accord? C'est vraiment un cadeau divin. Hein. On a encore le cadeau là, ça fait deux fois. Hein. L'univers est avec vous. Hein. Donc, n'en doutez pas, n'en doutez pas. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, prenez la bonne décision, prenez la bonne orientation, faites le bon choix. Voilà, il va y avoir des possibilités qui vont s'offrir, ouais, qui vont s'offrir à vous. Ben, faites la bonne sélection, d'accord? Ouais, je vous dis bien que vous êtes protégé, hein. Donc c'est voilà, et c'est la fin d'une situation. Merci, merci l'univers. Ça termine bien ce tableau, d'accord? Qu'avons-nous pour les Sagittaires? Alors. Oui, il vous faut vraiment vous faire un nettoyage pour réharmoniser vos énergies, d'accord? Ouais, donc bah, des soins énergétiques. Mais vous allez prendre conscience hein, que vous en avez besoin, d'accord? Et il va y avoir un déclic, hein, ouais. On a l'amour durable. On a l'amour durable et on a harmonisé. Oui, quand vous allez... Pour moi, alors ce qu'on me dit là, c'est que il vous faut faire un nettoyage profond, donc un soin énergétique très 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 harmonisé pour réharmoniser surtout bah, toute votre énergie et tous vos chakras. D'accord? Vous allez en prendre conscience et pour vous, mais ça va être une plénitude.
vous allez vous sentir plein d'amour, quoi. Vous allez vous sentir, voilà, vous allez même demander pardon, je pense. Ça va vous permettre de pardonner aux autres, mais aussi de vous pardonner à vous. D'accord? Ouais. Ouais, c'est dans l'année en cours, hein. Donc, dans l'année en cours, vous allez faire le travail, hein. Donc, ça se termine à la fin du mois de décembre, évidemment. Mais voilà, on termine cette saison d'automne. Vous terminez un cycle douloureux. Pour certains, évidemment, hein, parce que bon, on a quand même connu la chute et l'isolement. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, cet hiver, vous reprenez le flambeau, hein, d'accord? Vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres, ok? Ouais, vous passez à l'action. Vous allez vous reprendre en main, ami Sagittaire. Vous en terminez avec les rancunes, les rancœurs, d'accord? Vous vous élevez, vous prenez votre envol, vous y allez, seul ou pas seul, mais vous faites ce que vous avez envie de faire, vos projets, vos prises de décision, d'accord? Vous avez du potentiel, vous savez ce que vous voulez dans la vie, et ben vous lancez, ok? Ouais, vous vous réconciliez avec vous-même, hein. Et il y a un changement imminent. Il va y avoir un déclic. Vous trouvez votre lumière. Il y a la réussite. D'accord? Même si pour l'instant vous vous sentez un peu confus, vous savez que vous avez la solution en vous. Donc il y a une totale transformation, une libération. Voilà, vous prenez votre envol. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ok? Allez, on continue avec le petit Lenormand. Allez, pour vous, mes amis Sagittaires. Qu'avons-nous pour les Sagittaires? Décembre 2024, s'il vous plaît, merci. Bah, c'est le succès. Voilà, on arrive au succès, à la réussite, à la renommée. Ouais, il y a un réveil qui va faire que tout va bouger. Ce réveil va permettre bah de vous lancer. Alors, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? On me parle de la polarité masculine. Polarité masculine, c'est peut-être pas forcément vous, consultant, mais on me parle qu'il y a une personne très fidèle autour de vous, qui va vous soutenir, qui va vous aider à avancer, d'accord? Ouais. Qui va vous amener vers tout ce que vous voulez mettre en place, tous vos projets, ce pourquoi vous vous réveillez tous les matins. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, on me dit de vous le dire, donc je vous le sors. Voilà, parce que les nuages s'éclaircissent. Voilà, ce pourquoi vous vous levez tous les matins, et eh ben l'univers il vous le dit. Vous vous levez parce qu'il y a le soleil qui apparaît. Vous allez pouvoir prendre votre envol, d'accord? Vous allez pouvoir couper avec votre passé, couper avec des personnes toxiques. Ouais. Oui, ça a été, c'est lent. Ça a peut-être été ralenti parce que quand même, on a la montagne. Hein. Pour moi, c'est voilà. Vous allez couper court parce qu'on a voulu vous ralentir et puis vous mettre un obstacle. Mais voilà, comme on dit toujours, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et puis les montagnes, chaque problème a sa solution. Donc une montagne, on peut la contourner. D'accord? On me parle du professionnel. Hein, donc soyez rusé. Contournez la montagne. D'accord? Voilà, c'est quelque chose que vous attendez, vous l'attendez patiemment. Vous avez la réussite parce qu'il y a quand même des amitiés fidèles autour de vous, d'accord? Vous coupez court à toute situation, toute relation et vous contournez les montagnes. Vous êtes rusé.
Donc, allez-y, ami Sagittaire. OK? Allez, nous passons au sentimental. Allez, sentimental avec le chakra cœur. Allez, on va prendre trois cartes pour mettre la couleur sur votre sentimental. Merci. Alors, on a une différence d'âge. Nous avons les enfants, un nouveau projet et rencontre par moyen de télécommunication. Bon, le message, il est clair, simple. Et puis en plus, c'est un cadeau divin. D'accord? Il se peut que voilà, ça soit un cadeau divin, que l'univers vous ait envoyé vraiment les synchronicités pour que vous puissiez vous rencontrer au moyen d'un site de rencontre, hein, ou peu importe. Hein, voilà, et que ça se finisse, même s'il y a une différence d'âge. L'univers vous a vraiment mis sur la route l'un de l'autre, hein, d'accord? Vous allez quand même faire des grands projets tous les deux, ok? C'est magnifique. Nous allons aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez. Eh ben. Alors, il y a de la sincérité, hein, c'est ce que je dis, hein, peu importe l'âge. Voilà, c'est, faut pas que ça soit un obstacle, évidemment, hein, mais il y a de la sincérité entre vous deux et ça va vous permettre de vous réconcilier. Hein. Si vous étiez en difficulté amoureuse, vous allez vous réconcilier avec l'amour et vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et il va y avoir beaucoup de tendresse. Vous allez réapprendre à vivre la tendresse, ami Sagittaire. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme message pour les amis Sagittaires? Ouais. Oui, il faut pas que vous soyez quand même. Faites apparaître un brin de jalousie, mais il faut pas que ça soit excessif. C'est ce que j'entends. Parce qu'après, ça se finit en prise de tête. Hein. C'est clair? C'est net. D'accord? On me dit là, soyez prudent. Prudent dans vos actions. D'accord? Il y a de la promesse, il y a de la concrétisation. C'est ce que je vous dis, hein. Vous allez vraiment sortir de votre solitude. Allez, pour mes amis Sagittaires, vous vous stabilisez et vous rencontrez votre âme sœur. C'est pas mal. C'est magnifique. C'est magnifique. Et oui, écoutez-vous dans le moi. Écoutez-vous. Accueillez vraiment les synchronicités, hein, que l'univers vous met. Hein. Il va y avoir un succès. Hein. Un succès. On a encore l'amitié sincère. Écoutez-vous parce que vous pouvez rencontrer des personnes qui portent un masque. Ça peut être aussi vous, hein, ami Sagittaire. Hein. Écoutez-vous, soyez authentique. Ne portez pas de masque. Soyez vrai. Voilà, soyez sincère, loyal, fidèle, intègre, d'accord? Et vous aurez votre succès assuré. Ne soyez pas dans le doute, parce que, comme je vous dis, hein, il y a de la concrétisation. Il y a de la concrétisation après une période de lâcher prise, d'accord? De détachement. Vous êtes prêt à soulever les montagnes. Magnifique. Allez, on continue. On va aller voir de quoi vous avez besoin de guérir. Donc avec l'oracle de l'auto-guérison, de quoi avez-vous besoin de guérir, ami Sagittaire? Hop. Alors j'en ai deux qui ont sauté. Vous avez besoin, trois même. Vous avez besoin de guérir votre enfant intérieur. Vous avez besoin de réunifier cet enfant intérieur avec vous-même. Voilà. Vous allez être le phénix qui. Il vous faut être le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord? Donc mettez tout en œuvre. Et vous avez besoin de guérir de vos tentations. Là, on vous demande de choisir la voie la plus juste. Et avec le phénix, là, ce qu'on me dit, c'est que tout est en train de s'effondrer autour de vous, d'accord? Et tout simplement pour vous forcer à vous relever de vos cendres avec une force renouvelée. Ouais, c'est complètement adéquat avec le jugement.
Magnifique, magnifique, merci les guides. Un petit message de vos anges, s'il vous plaît. Un petit message de vos anges pour mes amis Sagittaire. Si les cartes sont pas raccord, je ne sais pas. Hein. Allez, qu'avons-nous pour vous, mes amis Sagittaire? L'ange de la guérison. Alors, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout, honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ben oui, tout à fait, mes amis Sagittaire. Hein. Si vous n'êtes pas authentique, si vous portez un masque, ça sert à rien. Hein. Allez, ben avec les runes, qu'avons-nous pour vous, mes amis Sagittaire? Voilà, merci. Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux en écho. Mais reste attentive à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Et oui, chacun se transforme à son rythme. Hein. Ça, si tout le monde se transformait de la même manière, ça serait le chaos total. Voilà, mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. Donc, j'espère que la guidance vous aura parlé, vous aura plu. Merci de vous abonner, d'activer la cloche, bien sûr, pour recevoir les autres vidéos. Quant à moi, je vous souhaite quand même un excellent mois de décembre. Passez d'excellentes fêtes. Et puis, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!